Maintenant, on va vous parler d'elle. Elle qu'on a tant de raisons d'aimer et tant de raisons de haïr. Et vive la France! La France! La France! La France! La France! Vive la France! La France! On lui a laissé notre enfance alors qu'on cultivait sa terre. On a souffert dans le silence des cicatrices de l'après-guerre. On a conquis nos droits, nos libertés à tous les siècles d'existence. À coups de symboles froissés, de métissage et de mélange. On a combattu pour la croix, tenté de pousser les frontières. Combien de fois on a prié au nom du Père, tué au nom du Roi. On a fait fleurir les terroirs, brûlé nos sols aux pesticides. On a une dette envers l'Afrique et peut-être une envers l'histoire. La France, ses moulins, ses collines et tous ses pâturages, ses églises et ses petits villages, ses rivières qui en font un vrai paradis. C'est notre beau pays, c'est la France. Ses banlieues, ses prisons et ses jeunes au chômage. La misère comme le seul héritage. Tous ces gens qui la vivent et puis qu'on oublie. C'est notre beau pays, c'est la France. Le médical, la démagogie de nos élus. Le naufrage de l'héritable et 68 est révolu. C'est la fracture sociale depuis que notre peuple assume un combat syndical qui a toujours déçu. J'ai perdu un bout de mon costume. On n'était pas super opérationnel sur ce coup-là. Mais c'est, bon. C'est le prix à payer pour la musique équitable, quoi. C'est parti. Il redresse la tête. Lui qui ne quittait jamais son écran des yeux. Son regard semble renaître. Soudain, il se sent mieux. Et pourtant, il le regrette. C'était le plus fidèle de ses amis. C'est dur à dire, peut-être. Mais il peut vivre sans lui. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, prié pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, prié pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Il se sent libre comme le vent, loin de ses amis virtuels. Il pense à ce qu'il aime et se recentre sur l'essentiel. Le voilà privé de son GPS, il est perdu et il en a honte. Il doit maintenant demander son adresse et va enfin faire de vraies rencontres. Ce n'est qu'un simple téléphone, il s'est éteint, prié pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Ce n'est qu'un simple téléphone, il s'est éteint, prié pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Il recevait des messages sans cesse avec du langage texto, des images. Maintenant qu'il n'a plus de SMS, ben il écrit des lettres de plusieurs pages. Ça tombait sur le monde et ça fait sur le net. Et dire qu'il a toujours trouvé ça normal. Ouais, ouais. À présent, il se rend à la bibliothèque, cherche ses réponses sur papier journal. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, prié pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, prié pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Monsieur l'agent, arrêtez-nous. Nous sommes les gonfleurs de ballons. On est bien plus bourrés que vous. C'est vous dire comme on est chiffon. Monsieur l'agent, on est coupable. On s'est noyé dans la pression. On se trimballe une gueule de wap. Et vous le sacré gueule de plomb. On dit que tous les chemins mènent au roi. Demain j'arrête. Comment la vie pourrait être si rose. Demain j'arrête. Merci, c'est adorable. Gros bisous.